La COSESONA est une fédération, une coalition des organisations syndicales du secteur de l'éducation qui a pour mission la défense des droits sociaux professionnels en synergie d'un côté et d'un autre côté la solidarité qui a trouvé l'adhésion de tous les enseignants après avoir pris connaissance de l'origine de l'ajustement salarial. C'est une recommandation qui avait été exigé par les enseignants, c'était une gestion transparente et nous tenons à signifier que la gestion des fonds collectés se fait dans la transparence. Elle est faite par les organisations syndicales fondatrices en collaboration avec l'organe de régulation des conflits sociaux en milieu du travail, CNDS. Et les rapports relatifs à l'orientation des fonds collectés a été toujours présenté en Assemblée générale depuis 2017, ce qui prouve à suffisance qu'il y a la transparence et les rapports relatifs à la gestion sont clairs, surtout que même les bénéficiaires des prestations de la COSESONA étaient identifiés dans la transparence par les représentants syndicaux en collaboration avec les représentants de l'administration territoriale et les représentants de l'éducation au niveau des concentres. Ils veulent aujourd'hui s'opposer à son initiative et la COSESONA a ouvert les portes, a ouvert les portes pour que tout enseignant qui ne veut pas suivre les réformes initiées par la COSESONA à partir de janvier 2020 puisse remplir la fiche d'opposition et comme ça les cotisations exigées à partir de janvier ne seront pas retenir à la source. Il en est de même pour ces syndicats. La concessionnaire a exigé de présenter dans les meilleurs délais, dans les délais décidés par l'Assemblée générale, la liste des enseignants, les affiliés, qui ne sont pas prêts à la solidarité telle qu'est décidée en Assemblée générale.